le confort pour tous. Découvrez notre sélection techno. Et craquez pour le téléviseur Ultra HD Hisense 146 cm à 399 euros seulement, soit 100 euros de réduction. Moins 100 euros, ça aide à voir grand, non? Conforama, jusqu'au 21 octobre, conditions sur conforama.fr. 92.6, c'est Nuit des Étoiles Radio. La radio de Amiens et de Limoges. La radio de la nuit. 7 octobre 2019. Je suis rendu au lycée Nelson Mandela de Poitiers. Dans un instant, vous allez entendre l'exercice de l'alerte intrusion. Et vous allez entendre les signaux alerte intrusion, tout ça. Voici l'exercice de l'entraînement de l'alerte intrusion qui se trouve au lycée Nelson Mandela de Poitiers. Alors, allez, à nouveau. Voilà, je récupère les derniers dossiers, ceux qui n'avaient pas rendu encore leur dossier. Alors, comme je vous ai dit ce matin à 8h, on va débuter. Oui, il manque Ellie, il manque Gino. Bon, écoutez, ils vont arriver. De toute façon, moi j'avais donné les consignes. Comme je vous ai dit à 8h, on va débuter un travail de géométrie. On a dit le coup, il a repris. Hein, Axel ? Ouais. Comme je vous ai dit à 8h, on commence un travail de géométrie. Qu'on continuera, que vous continuerez avec Madame Roy une fois que ce sera fini. Allez, les garçons, dépêchez-vous, là, installez-vous tous. Bah, ça va sonner clair. Ah, au sort. Alors, pour notre travail ensemble, on va s'inspirer d'un tableau de ce monsieur. Vous avez son nom au tableau, c'est un peintre d'origine hongroise. Et après, plus tard dans sa vie, il a été naturalisé français. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est né en Hongrie et puis qui a eu la nationalité française après. Il s'appelle Vasarely. C'est ce monsieur, c'est un peintre et il a fait des tableaux très géométriques avec beaucoup de cercles, beaucoup de carrés, des cubes et ainsi de suite. Il a utilisé des formes géométriques et de la couleur pour faire des tableaux comme ça, voilà, qui sont appréciés de beaucoup de monde. Alors, nous ensemble. Monsieur, ces tableaux, ils sont droits ou il y a des boulons ? Eh bien, il y en a qui ont une. Alors, ils sont toujours plats, mais certains travaux sont en perspective et on a l'impression que c'est en volume, tu vois, comme un cube par exemple. Oui. Hein ? Alors, on a choisi avec Madame Roy un tableau sur lequel vous allez travailler. Donc, vous allez avoir une feuille comme ça. Et nous, en maths, on va commencer aujourd'hui, on ne fera pas tout aujourd'hui, bien sûr. Hein. En maths, on va faire le tracé au crayon de papier, très fin, à la règle, tout, bien géométrique, et vous mettrez en couleur avec Madame Roy. Je vous montre tout de suite le tableau que nous avons choisi pour vous, et puis après, je vous distribue les feuilles et c'est parti. Monsieur, elle arrive quand, la tuberlère, je ne sais pas quoi. Eh bien, quand on entendra le signal. Alors, le tableau qu'on a choisi, c'est celui-ci. Alors, ce tableau, il s'appelle... Alphabet, c'est son nom, Alphabet. Et qu'est-ce que vous reconnaissez, ou qu'est-ce que vous connaissez comme forme là-dedans, en levant la main, s'il vous plaît, en levant la main. Ellie ? Des cubes, des losanges, des cercles. Attends, des cubes ? Non, des carrés. Des carrés plutôt, effectivement. Des carrés, des losanges, des cercles. Il y a des losanges, s'il y en a un. Il y a des losanges, non ? Alors moi, je leur donnerai un autre nom, c'est cela, la trapèze. Un autre nom, s'il vous plaît.
Ils sont un peu trop penchés pour être des losanges. Ouais, Vincent. Le parallèle épipède. Ah, enfin, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Parallélogramme. Ouais, c'est des parallélogrammes, ceux-là. Il y a des rectangles. Il y a des rectangles. Oui, il y a quelques rectangles, là, des petits rectangles. Très bien. On a tout dit. Non, qu'est-ce qui manque? Carré. Carré, cercle. Voilà. Bon, alors à votre avis, comment on va s'y prendre, nous? Alors, nous, on va faire sans la couleur, hein, en tronc de papier. À votre avis, comment on va s'y prendre pour essayer de faire ça sur une grande feuille de canson, là, un peu cartonnée? Alors déjà, il va falloir qu'on trouve la dimension comme ça. Bon, après on va... Oui, Maxence. Après, on dessine les rectangles dans lesquels... Ouais. Après, nous, ce qui va être intéressant, c'est de faire les 9 carrés. Vous voyez, il y en a 9. Ils sont un peu décalés. Et ils sont rangés dans 3 colonnes. Vous voyez les 3 colonnes? Donc moi, je vais vous donner les dimensions, là, du grand rectangle, du tableau, en fait. Vous allez dimensionner votre feuille. Et puis, on va faire nos 3 colonnes. Et puis ensuite, on mettra les petites bandes là. Et on fera nos 9 carrés. Et après, on aura bien avancé. Alors, je vous dis, il vous faut une grande règle. Hein, un crayon de papier bien taillé, une gomme. Et puis, faites de la place sur vos tables. Hein, vous rangez ce qui n'est pas nécessaire. Et moi, je le fais aussi en même temps que vous. J'ai commencé là. Et puis vous mettez votre nom derrière vos mettez votre nom derrière au fond de papier aussi. Hein. Je vais ramasser à la fin de là. Alors, les dimensions. Vous prenez votre feuille, s'il vous plaît, dans le sens portrait. Portrait. Donc votre feuille, elle est comme ça. Est-ce que je laisse ou pas ça? Je vais laisser quand même. Allez, votre feuille, elle est comme ça. Alors ici, on a... ...29,7 cm, ça va correspondre à notre largeur. Et en longueur, on n'a pas besoin de toute la feuille. Alors il va falloir... Votre feuille, elle est comme ça. Nous, on a besoin de 31,7. Alors, ça veut dire que vous devez mettre un point à 31,7. Là aussi. Et on va tirer le trait là. Et toute cette bande, on n'en a pas besoin. Voilà.
Alors, un petit quelque chose d'important, on va travailler au millimètre. Travaille au millimètre. Monsieur, comment ça va ? Ouais, comme ça, 31,7 il faut mesurer. Peut-être il faut mesurer en deux fois. Allez, je te passe la mienne, mais c'est pareil, 31,7 il faut mesurer en deux fois. Parce que derrière, en trois, en comment ? Jeanne. Tu fais en deux fois, Mathéo, tu fais 30 et 1,7. Alors, on ferme les volets, s'il vous plaît, on va éteindre les lumières, les téléphones en silencieux. Tu vas expliquer au proviseur adjoint pourquoi t'as pas réussi à faire l'exercice là, comme tout le monde. Hein. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ah merde. Thank you.
C'est bon, on ouvre les volets, merci. Bon, c'était un exercice, hein. L'idée c'est de se préparer, voilà, en cas d'intrusion. Et l'idée c'est de se dissimuler, de se faire vraiment oublier. Ah, un exercice c'est pour s'entraîner, donc voilà. C'est de se mettre en situation. Hein. Les années où il y a eu des attentats, je peux vous assurer que les élèves ne sont pas comportés comme vous. Ouais. Pas vraiment pas vous. C'est la mémoire quand vous étiez jeune, mais. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, et quand il y a eu les attentats du Bataclan, je vous assure que les élèves ne se comportaient pas comme ça. C'est inquiétant, hein. Il n'y a pas d'attentat aussi. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, donc ça peut se reproduire. Bon, là, il y aura un attentat à tout le monde, vous savez. Là, on ne sait pas, parce que pendant l'exercice, vous n'y arrivez pas. Donc, Logiquement, si vous entendez plus, je ne sais pas ce que tu as parlé pour ah, mais logiquement, si on ne s'est pas entraîné avant, c'est difficile de réagir face à une situation d'urgence. Moi, je voulais être tout seul. Ouais. Allez, on reprend, c'est bon. Ouais. Pourquoi tu m'as fait deux bandes, toi? Si, j'ai dit. T'as bien 31,7? T'as bien 31,7? Je vous explique très vite. Donc c'est un exercice pour voir comment on réagirait en cas d'attaque, si on était attaqué un jour. Ce qui n'arrive presque jamais, mais ce qui arrive très rarement dans certains endroits du monde, c'est arrivé. Donc dans ces cas-là, on s'enferme dans la salle, puisqu'on n'est pas sûr de pouvoir s'enfuir, donc on s'enferme dans la salle. On coupe les portables en mode silencieux, donc soit réunion, soit avion, vous savez où ça ne vibre pas, où il n'y a pas de sonnerie. Et on garde le silence. Même les mouvements de chaise peuvent faire du bruit. Donc dans ce cas-là, le mieux, c'est de garder le silence. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? En situation réelle, si vraiment ça arrive, on s'enfuit, si on peut s'enfuir. Voilà. Là, quand vous êtes en classe au premier étage, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous enfuir, donc vous vous enfermez.
En général, la police arrive dans les 5 minutes si va amener un problème. Donc, en moins de 5 minutes, on est hors de danger. Mais voilà, dans ces 5 minutes-là, oui, il faut réagir vite et pas faire du bruit. Ça va? Ça vous a pas fait peur? Non. D'accord. Tu vas venir avec moi si tu veux, on va en parler. Non, mais je rigole. D'accord. Tu rigoles à chaque fois que tu parles, en fait, ou... Ouais, ça arrive. D'accord. Essaye d'être sérieux, parce que sinon, tout le monde va croire que... On ne va plus jamais te prendre au sérieux, après. C'est pour toi. Oui. C'est parce qu'ici, en fait, sur le pôle bâtiment, on n'a pas encore de vraie alarme. On n'a pas encore une vraie alarme, tu vois, qui s'entend partout. Donc, pour l'instant, on fait au mégaphone, mais après les vacances de la Toussaint, il y aura une vraie alarme qui sera installée. Voilà. Donc, en attendant, on faisait comme ça, parce que dans la situation réelle, on fait comme on peut. Ok. Voilà, bon, bah, on a fait l'exercice. Bon courage à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je fais des stylos comme ça? Alors, Gino, tu fais 30 plus 1,7. Oui, mieux. 30. C'était l'enregistrement de l'exercice d'alerte intrusion du lycée Nelson Mandela de Poitiers. Donc là, en fait, au début de l'enregistrement, il y avait cours de maths entre 9h et 10h. Puis après, à partir de 9h15, il y avait l'alerte intrusion. Il y avait du silence un petit peu, à part quelques bruits. Et puis après, après l'alerte intrusion, il y avait un monsieur, celui qui est avec le mégaphone, tout ça, qui nous a dit encore une fois ce qu'il faut faire pour l'alerte intrusion. Puis après, voilà, c'était la fin. Fin de l'enregistrement. Et pour le prochain enregistrement, ce spécial sécurité du lycée, ce sera avec l'alarme incendie. Voilà, donc ce sera avec l'alarme incendie, et puis voilà. Nous, quand on va sortir de la classe, je laisserai mon dictaphone en classe, caché dans ma sacoche, en laissant le bruit de l'alarme incendie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et comme ça, voilà. Fin de l'enregistrement, et on se retrouve pour l'enregistrement de l'alarme incendie. Fin. I'm sorry.
Extrait numéro 22 de Radio Nuit de l'Info. Dans 21 jours, enregistrement spécial Nuit de l'Info 2019.
See less, yeah. You ain't gotta tell no lie, baby, you can confess.
up love? Are you in a gold in cage? Are you in a daze? Did you even hear them say, ain't it strange after everything changed? If you look back that place, I was feel the same. I was feel the same. I was feel the same. I was feel same, I would still go back. Did you even hear them say, was it like a dream? Were you in a golden place, or something strong? But a smile along your face, ain't it strange? After everything changed, if you back that place, I would still feel the same. I would still feel the same. I would still feel the same. The same, I would still go away and out someplace you can't be found. And they take me on. You never know now, you never know what I'm saying. You never know what I'm dreaming. You never know now, you never know. Lifestyle be on real, on real.
talking all this real shit, freestyle, hold up. Hold up. Hold up. Had to bring it back, motherfucker, wait, hold up. Hold up. Hold up. I ain't really spitting, motherfucker, I just throw up. I be coming from the bees, west side on the glow up. Bitches getting loose. Is it cause I got the juice? Yeah, this shit be the proof. Yeah, we be getting too. Yeah, I be thinking about me, I'm be thinking about me, I don't think about them. I know why they hating on me, I'm an independent nigga and I kill them with the pack. They go with some gold teeth. Could've been a politician, but I'd rather be a G. They quote and they love my whole speech. That's a real rock T, 300 a pop for that. Ain't seen my daughter, I've been thinking about revenge. 84 or 5 Benz, that's Daddy Belly and friends. Pop up on the scene, get stopped and talk to a fan. I be on a date, she and all, I'm getting a jaw later. In there like a jawbreaker. It's hard for me to hate this job. In my mind, I'm like, oh shit. In my mind, I'm like an inch from God. I could pitch a flow, I could tear a click apart. You're a stiff dick, I could tear the click apart. I can diss, I can destroy or make real art. I can be underground or be a popping star. Conforama, le confort pour tous. Découvrez notre sélection techno et profitez de 150 euros de remise sur le réfrigérateur combiné Samsung avec distributeur d'eau intégrée à seulement 449 euros. Ça, c'est une offre rafraîchissante. Conforama, jusqu'au 21 octobre, conditions sur conforama.fr. Conforama, le confort pour tous. C'est le déstockage Conforama, avec 70 euros de réduction sur le PC Thomson 14 pouces. 129 euros avec housse et souris. Un PC ultra portable, mais surtout ultra pas cher. Conforama, jusqu'au 11 novembre, dont 30 euros remboursés par Thomson, conditions sur conforama.fr. Intermarché vous propose d'écouter des milliers de cadeaux. Tu veux quoi pour ton anniversaire, mon chéri? Un ticket de caisse. Oh, mais t'exagères, t'as un jeune pour Noël. Cette année, votre ticket de caisse peut vous faire gagner des milliers de cadeaux. Pour jouer, téléchargez l'appli Intermarché 50 ans. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Si vous écoutez Nuit des Étoiles Radio et que vous tombez sur la fermeture antenne, écoutez WRN jusqu'à minuit pour en profiter. Et à minuit, remettez Nuit des Étoiles Radio. WRN est ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'application ou sur nuitdesétoiles.fr. Ce message a été mis par Nuit des Étoiles. La nuit ne s'arrête jamais. Dernier épisode de la saison 1 des Nuits de Léa. Épisode 6. Cependant, la voie publique avait fait connaître à l'archidiacre de quelle manière miraculeuse l'Égyptienne avait été sauvée. Quand il apprit cela, il ne sut ce qu'il en éprouvait. Il s'était arrangé de la mort de la Esmeralda. De cette façon, il était tranquille. Il avait touché le fond de la douleur possible. Le cœur humain, dont Claude avait médité sur ces matières, ne peut contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. Or, la Esmeralda morte, l'éponge était imbibée. Tout était dit pour Don Claude sur cette terre. Mais la sentir vivante, et Phébus aussi, c'était les tortures qui recommençaient, les secousses, les alternatives, la vie. Et Claude était las de tout cela. Quand il sut cette nouvelle, il s'enferma dans sa cellule du cloître. Il ne parut ni aux conférences capitulaires, ni aux offices. Il ferma sa porte à tous, même à l'évêque. Il resta muré de cette sorte plusieurs semaines. On le crut malade. Il l'était en effet. Que faisait-il ainsi enfermé? Sous quelle pensée l'infortuné se débattait-il? Livrait-il une dernière lutte à sa redoutable passion? Combinait-il à un dernier plan de mort pour elle et de perdition pour lui? Son Jean, son frère chéri, son homme gâté, vint une fois à sa porte, frappa, jura, supplia, se nomma 10 fois. Claude n'ouvrit pas. Il passait des journées entières, la face collée aux vitres de sa fenêtre.
De cette fenêtre située dans le cloître, il voyait la logette de la Esmeralda et la voyait souvent elle-même avec sa chèvre, quelquefois avec Quasimodo. Il remarquait les petits soins du vilain sourd, ses obéissances, ses façons délicates et soumises avec l'égyptienne. Il se rappelait, car il avait bonne mémoire lui, et la mémoire est la tourmenteuse des jaloux, il se rappelait le regard singulier du sonneur sur la danseuse un certain soir. Il se demandait quel motif avait pu pousser Quasimodo à la sauver. Il fut témoin de 1000 petites scènes entre la bohémienne et le sourd dont la pantomime, mime, vue de loin et commentée par sa passion, lui parut fort tendre. Il se défiait de la singularité des femmes, alors il sentit confusément s'éveiller en lui une jalousie à laquelle il ne se fut jamais entendu, une jalousie qui le faisait rougir de honte et d'indignation. Passe encore pour le capitaine, mais celui-ci, cette pensée le bouleversait. Ses nuits étaient affreuses. Depuis qu'il savait l'égyptienne vivante, les froides idées de spectre et de tombe qui l'avaient obsédé un jour entier s'étaient évanouies et la chair revenait aiguillonnée. Il se tordait sur son lit de sentir la brune jeune fille si près de lui. Chaque nuit, son imagination délirante lui représentait la Esmeralda dans toutes les attitudes qui avaient le plus fait bouillir ses veines. Il la voyait étendue sur le capitaine poignardé, les yeux fermés, sa belle gorge nue couverte du sang de Phébus. À ce moment de délice où l'archidiacre avait imprimé sur ses lèvres pâles ce baiser dont la malheureuse, quoique à demi-morte, avait senti la brûlure. Il la revoyait déshabillée par les mains sauvages des tortionnaires, les 100 mètres à nu, et emboîtée dans le brodequin au vis de fer son petit pied, sa jambe fine et ronde, son genou souple et blanc. Il revoyait encore ce genou d'ivoire resté seul en dehors de l'horrible appareil de torterie. Il se figurait enfin la jeune fille en chemise, la corde au cou, épaules nues, pieds nus, presque nus, comme il l'avait vu le dernier jour. Ces images de volupté faisaient crisper ses poings et courir un frisson de long de ses vertèbres. Une nuit, entre autres, elles échauffèrent si cruellement dans ses artères son sang de vierge et de prêtre qu'il mordit son oreiller, sauta hors de son lit, jeta un surplis sur sa chemise et sortit de sa cellule, sa lampe à la main, à demi-nu, effaré, l'œil en feu. Il savait où trouver la clé de la porte rouge qui communiquait du cloître à l'église et il avait toujours sur lui, comme on sait, une clé de l'escalier des tours. Cette nuit-là, la Esmeralda s'était endormie dans sa logette, pleine d'oubli, d'espérance et de douces pensées. Elle dormait depuis quelque temps, rêvant, comme toujours, de Phébus lorsqu'il lui sembla entendre du bruit autour d'elle. Elle avait un sommeil léger et inquiet, un sommeil d'oiseau. Un rien la réveillait. Elle ouvrit les yeux. La nuit était très noire. Cependant, elle vit à sa lucarne une figure qui la regardait. Il y avait une lampe qui éclairait cette apparition. Au moment où elle se vit aperçue de la Esmeralda, cette figure souffla la lampe. Néanmoins, la jeune fille avait eu le temps de l'entrevoir. Ses paupières se refermèrent de terreur. « Oh !» dit-elle d'une voix éteinte. « Le prêtre !» Tout son malheur passé lui revint comme dans un éclair. Elle retomba sur son lit, glacée. Un moment après, elle sentit le long de son corps un contact qui la fit tellement frémir qu'elle se dressa éveillée et furieuse sur son séant. Le prêtre venait de se glisser près d'elle. Il l'entourait de ses deux bras. Elle voulut crier et ne put. « Va-t'en, monstre ! Va-t'en, assassin ! » dit-elle d'une voix tremblante et basse à force de colère et d'épouvante. « Grâce ! Grâce !» murmura le prêtre en lui imprimant ses lèvres sur les épaules. Elle lui prit sa tête chauve à deux mains par son reste de cheveux et s'efforça d'éloigner ses baisers comme si c'eût été des morsures. « Grâce !» répétait l'infortuné. « Si tu savais ce que c'est que mon amour pour toi, c'est du feu, du plomb fondu, 1000 couteaux dans mon cœur. » Et il arrêta ses deux bras avec une force surhumaine, éperdue. « Lâche-moi !» lui dit-elle. « Ou je te crache au visage. » Il la lâcha. « Avilis-moi, frappe-moi, sois méchante, fais ce que tu voudras, mais grâce, aime-moi. » Alors elle le frappa avec une fureur d'enfant. Elle raidissait ses belles mains pour lui meurtrir la face.
Va-t'en, démon. Aime-moi, aime-moi, pitié, criait le pauvre prêtre en se roulant sur elle et en répondant à ses coups par des caresses. Tout à coup, elle le sentit plus fort qu'elle. Il faut en finir, dit-il en grinçant des dents. Elle est subjuguée, palpitante, brisée entre ses bras à sa discrétion. Elle sentait une main lascive s'égarer sur elle. Elle fit un dernier effort et se mit à crier. Au secours, à moi, un vampire, un vampire! Rien ne venait. Djali seule était éveillée et bêlait avec angoisse. Tais-toi, disait le prêtre haletant. Tout à coup, en se débattant, en rampant sur le sol, la main de l'égyptienne rencontra quelque chose de froid et de métallique. C'était le sifflet de Quasimodo. Elle le saisit avec une convulsion d'espérance, le porta à ses lèvres et y siffla de tout ce qui lui restait de force. Le sifflet rendit à son clerc, aigu, perçant. « Qu'est-ce que cela ? » dit le prêtre. Presque au même instant, il se sentit enlevé par un bras vigoureux, la cellule était sombre. Il ne put distinguer nettement qui le tenait ainsi. Mais il entendit des dents claquer de rage, et il y avait juste assez de lumière éparse dans l'ombre pour qu'il vît briller au-dessus de sa tête une large lame de coutelas. Le prêtre crut apercevoir la forme de Quasimodo. Il supposa que ce ne pouvait être que lui. Il se souvint d'avoir trébuché en entrant contre un paquet qui était étendu en travers de la porte en dehors. Cependant, comme le nouveau venu ne proférait pas une parole, il ne savait que croire. Il se jeta sur le bras qui tenait le coutelas en criant « Quasimodo !» Il oubliait en ce moment de détresse que Quasimodo était sourd. En un clin d'œil, le prêtre fut terrassé et sentit un genou de plomb s'appuyer sur sa poitrine. À l'empreinte anguleuse de ce genou, il reconnut Quasimodo. Mais que faire? Comment de son côté être reconnu de lui? La nuit faisait le sourd aveugle. Il était perdu. La jeune fille, sans pitié, comme une tigresse irritée, n'intervenait pas pour le sauver. Le coutelas se rapprochait de sa tête. Le moment était critique. Tout à coup, son adversaire parut pris d'une hésitation. « Pas de sang sur elle, » dit-il d'une voix sourde. C'était en effet la voix de Quasimodo. Alors le prêtre sentit la grosse main qui le traînait par le pied hors de la cellule. C'est là qu'il devait mourir. Heureusement, pour lui, la lune venait de se lever depuis quelques instants. Quand ils eurent franchi la porte de la logette, son pâle rayon tomba sur la figure du prêtre. Quasimodo le regarda en face. Un tremblement le prit. Il lâcha le prêtre et recula. L'égyptienne, qui s'était avancée sur le seuil de la cellule, vit avec surprise les rôles changer brusquement. C'était maintenant le prêtre qui menaçait, Quasimodo qui suppliait. Le prêtre, qui accablait le sourd de gestes de colère et de reproches, lui fit violemment signe de se retirer. Le sourd baissa la tête, puis il vint se mettre à genoux devant la porte de l'égyptienne. « Monseigneur, dit-il d'une voix grave et résignée, vous ferez après ce qu'il vous plaira, mais tuez-moi d'abord. » En parlant ainsi, il présentait au prêtre son coutelas. Le prêtre, hors de lui, se jeta dessus, mais la jeune fille fut plus prompte que lui. Elle arracha le couteau des mains de Quasimodo et éclata de rire avec fureur. « Approche, dit-elle au prêtre. » Elle tenait la lame haute. Le prêtre demeura indécis. Elle l'eut certainement frappé. « Tu n'oserais plus approcher. Lâche !» lui cria-t-elle. Puis elle ajouta avec une expression impitoyable et sachant bien qu'elle allait percer de 1000 fers rouges le cœur du prêtre. « Ah, je sais que Phébus n'est pas mort. » Le prêtre renversa Quasimodo à terre d'un coup de pied et se replongea en frémissant de rage sous la voûte de l'escalier. Quand il fut parti, Quasimodo ramassa le sifflet qui venait de sauver l'égyptienne. Il se rouillait, dit-il en lui rendant. Puis, il la laissa seule. La jeune fille, bouleversée par cette scène violente, tomba épuisée sur son lit et se mit à pleurer à sanglots. Son horizon redevenait sinistre. De son côté, le prêtre était rentré à tâtons dans sa cellule. C'en était fait. Don Claude était jaloux de Quasimodo. Il répéta d'un air pensif sa fatale parole « Personne ne l'aura ». Depuis que Pierre Gringoire avait vu comment toute cette affaire tournait et que décidément il y aurait cordes, pendaisons et autres désagréments
pour les personnages principaux de cette comédie, il ne s'était plus soucié de s'en mêler. Les truands, parmi lesquels il était resté considérant qu'en dernier résultat c'était la meilleure compagnie de Paris, les truands avaient continué de s'intéresser à l'égyptienne. Il avait trouvé cela fort simple de la part de gens qui n'avaient comme elle d'autres perspectives que Charmolue et Torterue et qui ne chevauchaient pas comme lui dans les régions imaginaires entre les deux ailes de Pegasus. Il avait appris par leurs propos que son épousée au pot cassé s'était réfugiée dans Notre-Dame et il en était bien aise. Mais il n'avait pas même la tentation d'y aller voir. Il songeait quelquefois à la petite chèvre et c'était tout. Du reste, le jour, il faisait des tours de force pour vivre et la nuit, il élucubrait un mémoire contre l'évêque de Paris car il se souvenait d'avoir été inondé par les roues de ses moulins et il lui en gardait rancune. Il s'occupait aussi de commenter le bel ouvrage de Baudry le Rouge, évêque de Noyon et de Tournai, Decupa Petrarum, de la coupe des pierres. Ce qui lui avait donné un goût violent pour l'architecture. Penchant qui avait remplacé dans son cœur sa passion pour l'hermétisme, dont il n'était d'ailleurs qu'un corollaire naturel, puisqu'il y a un lien intime entre l'hermétique et la maçonnerie. Gringoire avait passé de l'amour d'une idée à l'amour de la forme de cette idée. Un jour, il s'était arrêté près de Saint-Germain-l'Auxerrois à l'angle d'un logis qu'on appelait le Fort-l'Évêque, lequel faisait face à un autre qu'on appelait le Fort-le-Roi. Il y avait à ce Fort-l'Évêque une charmante chapelle du XIVe siècle dont le chevet donnait sur la rue. Gringoire en examinait dévotement les sculptures extérieures. Il était dans un de ces moments de jouissance égoïste, exclusive, suprême, où l'artiste ne voit dans le monde que l'art et voit le monde dans l'art. Tout à coup, il sent une main se poser gravement sur son épaule. Il se retourne. C'était son ancien ami, son ancien maître, monsieur l'archidiacre. Il resta stupéfait. Il y avait longtemps qu'il n'avait vu l'archidiacre. Et Don Claude était un de ces hommes solennels et passionnés dont la rencontre dérange toujours l'équilibre d'un philosophe sceptique. L'archidiacre garda quelques instants un silence pendant lequel Gringoire eut le loisir de l'observer. Il trouva Don Claude bien changé, pâle, comme un matin d'hiver, les yeux caves, les cheveux presque blancs. Ce fut le prêtre qui rompit encore le silence en disant d'un ton tranquille mais glacial « Comment vous portez-vous, maître Pierre ?»« Ma santé ?» répondit Gringoire. « Hé hé, on en peut dire ceci et cela. Toutefois, l'ensemble est bon. Je ne prends trop de rien. Vous savez, maître, le secret de se bien porter, selon Hippocrate, c'est que mets, boisson, sommeil, amour, tout soit modéré. Vous n'avez donc aucun souci, maître Pierre ?» reprit l'archidiacre en regardant fixement Gringoire. « Ma foi, non. » Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Vous écoutez les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Et que faites-vous maintenant? Vous le voyez, mon maître. J'examine la coupe de ces pierres et la façon dont est fouillé ce bas-relief. Le prêtre se mit à sourire. Et ce sourire amer qui ne relève qu'une des extrémités de la bouche. Et cela vous amuse? C'est le paradis, s'écria Gringoire. Et se penchant sur les sculptures, avec la mine éblouie d'un démonstrateur de phénomènes vivants. Est-ce donc que vous ne me trouvez pas, par exemple, cette métamorphose de basse-taille exécutée avec beaucoup d'adresse, de milliardise et de patience? Regardez cette colonnette. Autour de quel chapiteau avez-vous vu feuilles plus tendres et mieux caressées du ciseau? Voici trois ronds de bosse de Jean Malvin. Ce ne sont pas les plus belles œuvres de ce grand génie. Néanmoins, la naïveté, la douceur des visages, la gaieté des attitudes et des draperies et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous les défauts rendent les figurines bien égayées et bien délicates. Peut-être même trop. Vous trouvez que ce n'est pas divertissant? Si fait, dit le prêtre. Et si vous voyez l'intérieur de la chapelle, reprit le poète avec son enthousiasme bavard. Partout des sculptures, c'est touffu comme un cœur de chou. L'abside est d'une façon fort dévote et si particulière que je n'ai rien vu de même ailleurs.
Dont Claude l'interrompit. Vous êtes donc heureux ? Gringoire répondit avec feu. En honneur, oui. J'ai d'abord aimé des femmes, puis des bêtes. Maintenant, j'aime des pierres. C'est tout aussi amusant que les bêtes et les femmes. Et c'est moins perfide. Le prêtre mit sa main sur son front. C'était son geste habituel. En vérité. Tenez, dit Gringoire, on a des jouissances. Il prit le bras du prêtre qui se laissait aller et le fit entrer sous la tourelle de l'escalier du fort l'évêque. Voilà un escalier, chaque fois que je le vois, je suis heureux. C'est le degré de la manière la plus simple et la plus rare de Paris. Toutes les marches sont par-dessous délardées. Sa beauté et sa simplicité consistent dans les girons de l'une et de l'autre, portant un pied ou environ, qui sont entrelacés, enclavés, emboîtés, enchaînés, enchâssés, entretaillés l'un dans l'autre, et s'entremordent d'une façon vraiment ferme et gentille. Et vous ne désirez rien ? Non. Et vous ne regrettez rien ? Ni regret, ni désir. J'ai arrangé ma vie. Ce qu'arrangent les hommes, dit Claude, les choses le dérangent. Je suis un philosophe pyrrhonien, répondit Gringoire. Et je tiens tout en équilibre. Et comment la gagnez-vous, votre vie ? Je fais encore ça et là des épopées et des tragédies. Mais ce qui me rapporte le plus, c'est l'industrie que vous me connaissez, mon maître. Porter des pyramides de chaises sur mes dents, le métier est grossier pour un philosophe. C'est encore de l'équilibre, dit Gringoire. Quand on en a une pensée, on la retrouve en tout. Je le sais, répondit l'archidiacre. Après un silence, le prêtre reprit. Vous êtes néanmoins assez misérable. Misérable, oui. Malheureux, non. En ce moment, un bruit de chevaux se fit entendre, et nos deux interlocuteurs virent défiler au bout de la rue une compagnie des archers de l'ordonnance du roi, des lances hautes, l'officier en tête. La cavalcade était brillante et résonnait sur le pavé. Comme vous regardez cet officier, dit Gringoire à l'archidiacre, c'est que je crois le reconnaître. Comment le nommez-vous ? Je crois, dit Claude, qu'il s'appelle Phébus de Châteaupers. Phébus ? Un nom de curiosité. Il y a aussi Phébus, comte de Foix. J'ai souvenir d'avoir connu une fille qui ne jurait que par Phébus. Venez-vous-en, dit le prêtre. J'ai quelque chose à vous dire. Depuis le passage de cette troupe, quelque agitation perçait sous l'enveloppe glaciale de l'archidiacre. Il se mit à marcher. Gringoire le suivait, habitué à lui obéir, comme tout ce qui avait approché une fois cet homme plein d'ascendants. Ils arrivèrent en silence jusqu'à la rue des Bernardins, qui était assez déserte, dont Claude s'y arrêta. « Qu'avez-vous à me dire, mon maître ?» lui demanda un Gringoire. « Est-ce que vous ne trouvez pas, répondit l'archidiacre d'un air de profonde réflexion, que l'habit de ces cavaliers que nous venons de voir est plus beau que le vôtre et que le mien ?» Gringoire hocha la tête. « Ma foi, j'aime mieux ma gonelle jaune et rouge que ces écailles de fer et d'acier. Beau plaisir !» De faire, en marchant, le même bruit que le quai de la ferraille, par un tremblement de terre. Donc, Gringoire, vous n'avez jamais porté envie à ces beaux fils en hoquetons de guerre ? Envie de quoi, monsieur l'archidiacre ? De leur force, de leur armure, de leur discipline ? Mieux valent la philosophie, l'indépendance en guenilles. J'aime mieux être tête de mouche que queue de lion. Cela est singulier, dit le prêtre rêveur. Une belle livrée est pourtant belle. Gringoire, le voyant pensif, le quitta pour aller admirer le porche d'une maison voisine. Il revint en frappant des mains. « Si vous étiez moins occupé des beaux habits des gens de guerre, monsieur l'archidiacre, je vous prierais d'aller voir cette porte. Je l'ai toujours dit, la maison du sieur Aubry a une entrée la plus superbe du monde. »« Pierre Gringoire, dit l'archidiacre, qu'avez-vous fait de cette petite danseuse égyptienne ? La Esmeralda ? Vous changez bien brusquement de conversation. N'était-elle pas votre femme ? Oui, au moyen d'une cruche cassée. Nous en avions pour 4 ans. À propos, ajouta Gringoire en regardant l'archidiacre d'un air à demi goguenard, vous y pensez donc toujours ? Et vous ? Vous n'y pensez plus ? Peu. J'ai tant de choses. Mon Dieu, que la petite chèvre était jolie. Cette bohémienne ne vous avait-elle pas sauvé la vie ? C'est par Dieu vrai ? Eh bien, qu'est-elle devenue ? Qu'en avez-vous fait ? Je ne vous dirai pas. Je crois qu'ils l'ont pendue. Vous croyez ? Je ne suis pas sûre. Quand j'ai vu qu'ils voulaient pendre les gens, je me suis retirée du jeu. C'est là tout ce que vous en savez ?
Attendez donc, on m'a dit qu'elle s'était réfugiée dans Notre-Dame et qu'elle y était en sûreté. Et j'en suis ravie. Et je n'ai pu découvrir si la chèvre s'était sauvée avec elle, et c'est tout ce que j'en sais. « Je vais vous en apprendre davantage, » cria donc Claude, et sa voix, jusqu'alors basse, lente et presque sourde, était devenue tonnante. Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans 3 jours, la justice l'y reprendra, et elle sera pendue en grève. Il y a arrêt du Parlement. « Voilà qui est fâcheux, » dit Gringoire. Le prêtre, en un clin d'œil, était redevenu froid et calme. « Et qui diable, » reprit le poète, « s'est donc amusé à solliciter un arrêt de réintégration ? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser le Parlement tranquille ? Qu'est-ce que cela fait qu'une pauvre fille s'abrite sous les arcs boutants de Notre-Dame à côté des nids d'hirondelles ?»« Il y a des satans dans le monde, » répondit l'archidiacre. « Cela est diablement mal émanché, » observa Gringoire. L'archidiacre reprit après un silence. « Donc, elle vous a sauvé la vie ?» Chez mes bons amis les truandiers. Un peu plus, un peu moins, j'ai été pendu. Il en serait fâché aujourd'hui. Est-ce que vous ne voulez rien faire pour elle ? Je ne demande pas mieux, dont Claude. Mais si je vais m'entortiller une vilaine affaire autour du corps ? Qu'importe. Bah, qu'importe. Vous êtes bon, vous, mon maître. J'ai de grands ouvrages commencés. Le prêtre se frappa le front. Malgré le calme qu'il affectait, de temps en temps, un geste violent révélait ses convulsions intérieures. « Comment la sauver ?» Gringoire lui dit. « Mon maître, je vous répondrai. Il, pas delte, ce qui veut dire en turc, Dieu est notre espérance. »« Comment la sauver ?» répéta Claude Rêveur. Gringoire, à son tour, se frappa le front. « Écoutez, mon maître, j'ai de l'imagination, je vais vous trouver des expédients. Si on demandait la grâce au roi, à Louis XI, une grâce ?» Pourquoi pas ? À prendre son os au tigre. Gringoire se mit à chercher de nouvelles solutions. Eh bien, tenez, voulez-vous que j'adresse aux matrones une requête avec déclaration que la fille est enceinte ? Cela fit étinceler la creuse prunelle du prêtre. Enceinte ? Drôle ! Est-ce que tu en sais quelque chose ? Gringoire fut effrayé de son air. Il se hâta de dire « Oh, non pas moi. Notre mariage était un vrai mariage fait avec ceux du dehors. Je suis resté dehors, mais enfin, on obtiendrait un sursis. Folie, infamie, tais-toi. Vous avez tort de vous fâcher, » grommela Gringoire. « On obtient un sursis, cela ne fait de mal à personne et cela fait gagner 40 deniers parisis aux matrones qui sont de pauvres femmes. » Le prêtre ne l'écoutait pas. « Il faut pourtant qu'elle sorte de là, » murmura-t-il. L'arrêt est exécutoire sous 3 jours. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'arrêt, ce Quasimodo. Les femmes ont des goûts bien dépravés. Il haussa la voix. « Maître Pierre, j'y ai bien réfléchi. Il n'y a qu'un moyen de salut pour elle. Lequel ? Moi, je n'en vois plus. Écoutez, Maître Pierre, souvenez-vous que vous lui devez la vie. Je vais vous dire franchement mon idée. » L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on y a vus entrer. Vous pourrez donc entrer, vous viendrez, je vous introduirai près d'elle. Vous changerez d'habit avec elle. Elle prendra votre pourpoint, vous prendrez sa jupe. Cela va bien jusqu'à présent, observa le philosophe. Et puis, elle sortira avec vos habits, vous resterez avec les siens. On vous pendra peut-être, mais elle sera sauvée. Gringoire se gratta l'oreille avec un air très sérieux. « Tiens, » dit-il, « voilà une idée qui ne me serait jamais venue toute seule. » À la proposition inattendue de Don Claude, la figure ouverte et bénigne du poète s'était brusquement rembrunie, comme un riant paysage d'Italie quand il survient un coup de vent malencontreux qui écrase un nuage sur le soleil. « Eh bien, Gringoire, que dites-vous du moyen ?» Je dis, mon maître, qu'on ne me prendra pas peut-être, mais qu'on m'en pendra indubitablement. Cela ne vous regarde pas. La peste, dit Gringoire. Elle vous a sauvé la vie. C'est une dette que vous payez. Il y en a bien d'autres que je ne paie pas. Maître Pierre, il faut absolument. L'archidiacre parlait avec empire. Écoutez donc, Claude, répondit le poète tout consterné. Vous tenez à cette idée et vous avez tort. Je ne vois pas pourquoi je me ferais pendre à la place d'un autre. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie ? Ah, 1000 raisons. Lesquelles, s'il vous plaît ?
Lesquels ? L'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes bons amis les truands, nos gorges chaudes, avec les vilotières, les belles architectures de Paris à étudier, trois gros livres à faire, dont un contre l'évêque et ses moulins, que sais-je, moi ? Anaxagoras disait qu'il était au monde pour admirer le soleil. Et puis, j'ai le bonheur de passer toutes mes journées du matin au soir avec un homme de génie qui est moi, et c'est fort agréable. Peut-être à faire un grelot, grommela l'archidiacre. Hé, parle, cette vie que tu te fais si charmante, qui te l'a conservée ? À qui dois-tu de respirer cet air, de voir ce ciel, et de pouvoir encore amuser ton esprit d'alouette, de billes vesées et de folie ? Sans elle, où serais-tu ? Tu veux donc qu'elle meure ? Elle part ? Qui tu es vivant ? Qu'elle meure, cette créature, belle, douce, adorable, nécessaire à la lumière du monde, plus divine que Dieu, tandis que toi, demi-sage et demi-fou, vaine ébauche de quelque chose, espèce de végétal qui croit marcher et qui croit penser, tu continueras à vivre avec la vie que tu lui as volée, aussi inutile qu'une chandelle en plein midi ? Allons, un peu de pitié. Gringoire, sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé. Le prêtre était véhément. Gringoire l'écouta d'abord avec un air indéterminé, puis il s'attendrit et finit par faire une grimace tragique qui fit ressembler ta blême figure à celle d'un nouveau-né qui a la colique. « Vous êtes pathétique, » dit-il en essuyant une larme. « Eh bien, j'y réfléchirai. C'est une drôle d'idée que vous avez eue là. » « Après tout, » poursuivit-il après un silence, « qui sait, peut-être ne me pendront-ils pas ?» N'épouse pas toujours qui fiance. Quand ils me trouveront dans cette logette, si grotesquement affublée, en jupe et en coiffe, peut-être éclateront-ils de rire. Et puis, s'ils me pendent, eh bien, la corde, c'est une mort comme une autre. Ou, pour mieux dire, ce n'est pas une mort comme une autre. C'est une mort digne du sage qui a oscillé toute sa vie. Une mort qui n'est ni chair ni poisson. Comme l'esprit du véritable sceptique, une mort toute empreinte de pyrrhonisme et d'hésitation. Qui tient le milieu entre le ciel et la terre, qui vous laisse en suspens. C'est une mort de philosophe, et j'y étais prédestiné peut-être. Il est magnifique de mourir quand on a vécu. Le prêtre l'interrompit. Est-ce convenu ? Qu'est-ce que la mort à tout prendre ? Poursuivit Gringoire avec exaltation. Un mauvais moment, un péage, le passage de peu de choses à rien. Quelqu'un ayant demandé à Cercidas, mégalopolitain, s'il mourait volontiers ? « Pourquoi non ?» répondit-il. « Car après ma mort, je verrai ces grands hommes. Pythagoras entre les philosophes, Hécataïus entre les historiens, Homère entre les poètes, Olympe entre les musiciens. » L'archidiacre lui présenta la main. « Donc c'est dit, vous viendrez demain ?» Ce geste ramena Gringoire au positif. « Ah, ma foi non !» dit-il du ton d'un homme qui se réveille. « Être pendu, c'est trop absurde. Je ne veux pas. Adieu alors !» Et l'archidiacre ajouta entre ses dents, « Je te trouverai. » « Je ne veux pas que ce diable d'homme me trouve, » pensa Gringoire, et il courut après Don Claude. « Tenez, monsieur l'archidiacre, pas d'humeur entre vieux amis. Vous intéressez à cette fille, à ma femme, veux-je dire ? C'est bien. » Les nuits de Léa, c'est seulement sur Vibration. Vibration. Vibrons ensemble. Vibration, les nuits de Léa. Vibration. Vibrons ensemble. Vous avez imaginé un stratagème pour la faire sortir sauve de Notre-Dame. Mais votre moyen est extrêmement désagréable pour moi, Gringoire. Si j'en avais un autre, moi, je vous préviens qu'il vient de me survenir à l'instant une inspiration très lumineuse. Si j'avais une idée expédiente pour la tirer du mauvais pas, sans compromettre mon coup avec le moindre nœud coulant, qu'est-ce que vous diriez ? Cela ne vous suffirait-il point ? Est-il absolument nécessaire que je sois pendu pour que vous soyez content ? Le prêtre arrachait d'impatience les boutons de sa soutane. Ruisseau de parole, quel est ton moyen ? Oui, reprit Gringoire, se parlant à lui-même et touchant son nez avec son index en signe de méditation. C'est cela. Les truands sont de braves fils. La tribu d'Égypte l'aime. Ils se lèveront au premier mot. Rien de plus facile. Un coup de main, à la faveur du désordre, on l'enlèvera aisément. Dès demain soir, ils ne demanderont
pas mieux. Le moyen parle, dit le prêtre en le secouant. Gringoire se tourna majestueusement vers lui. Laissez-moi donc. Vous voyez bien que je compose. Il réfléchit encore quelques instants. Puis il se mit à battre des mains, à sa pensée en criant. Admirable, réussite sûre. Le moyen, reprit Claude en colère. Gringoire était radieux. Venez que je vous dise cela tout bas. C'est une contre-mine vraiment gaillarde et qui nous tire tous d'affaire, par Dieu. Il faut convenir que je ne suis pas un imbécile. Il s'interrompit. Ah ça, la petite chèvre est-elle avec la fille? Oui, que le diable t'emporte. C'est qu'il l'aurait pendue aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela me fait? Oui, il l'aurait pendue. Ils ont bien pendu une truie le mois passé. Le bourrel aime ça. Il mange la bête après. Pendre ma jolie Djali, pauvre petit agneau. Malédiction, s'écria donc Claude. Le bourreau, c'est toi. Quel moyen de salut as-tu donc trouvé? Drôle. Faudra-t-il t'accoucher ton idée avec le forceps? Tout beau, maître. Voici. Gringoire se pencha à l'oreille de l'archidiacre et lui parla très bas, en jetant un regard inquiet d'un bout à l'autre de la rue où il ne passait pourtant personne. Quand il eut fini, Don Claude lui prit la main et lui dit froidement « C'est bon, à demain. »« À demain, » répéta Gringoire. Et tandis que l'archidiacre s'éloignait d'un côté, il s'en alla de l'autre en se disant à demi-voix « Voilà une fière affaire, monsieur Pierre Gringoire. N'importe. Il n'est pas dit parce qu'on est petit qu'on s'effraiera d'une grande entreprise. » Biton porta un grand taureau sur ses épaules, les hauches-queues, les fauvettes et les taquets traversent l'océan. L'archidiacre, en rentrant au cloître, trouva à la porte de sa cellule son frère Jean du Moulin, qui l'attendait et qui avait charmé les ennuis de l'attente en dessinant avec un charbon sur le mur un profil de son frère aîné enrichi d'un nez démesuré. Don Claude regarda à peine son frère. Il avait d'autres songes, ce joyeux visage de vaurien dont le rayonnement avait tant de fois rassénéré la sombre physionomie du prêtre, était maintenant impuissant à fondre la brume qui s'épaississait chaque jour davantage sur cette âme corrompue, méphitique et stagnante. « Mon frère, dit timidement Jean, je viens vous voir. » L'archidiacre ne leva seulement pas les yeux sur lui. « Après, mon frère, reprit l'hypocrite, vous êtes si bon pour moi et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. Ensuite, hélas, mon frère, c'est que vous aviez bien raison quand vous me disiez Jean, Jean. La doctrine des docteurs, la discipline des disciples se perdent. Jean, soyez sage. Jean, docte Jean, ne pernoctez pas hors le collège sans légitime et congé du maître. Ne battez pas les Picards, Noli, Joanne, Verbarare, Picardos. Ne pourrissez pas comme un âne illettré, quasi asinus, I. Littératus, sur le feu de l'école. Jean, laissez-vous punir à la discrétion du maître. Jean, allez tous les soirs à la chapelle et chantez-y une antienne avec versets et oraisons à Madame la Glorieuse Vierge Marie. Hélas, que c'était là de très excellent, Xavier. Et puis, mon frère, vous voyez un coupable, un criminel, un misérable, un libertin, un homme énorme? Mon cher frère, Jean a fait de vos gracieux conseils paille et fumier à fouler aux pieds. J'en suis bien châtié, et le bon Dieu est extraordinairement juste. Tant que j'ai eu de l'argent, j'ai fait ripaille, folie et vie joyeuse. Oh, que la débauche, si charmante de face, laide et rechignée par derrière. Maintenant, je n'ai plus un blanc. J'ai vendu ma nappe, ma chemise et ma toile, plus de joyeuse vie. La belle chandelle est éteinte, et je n'ai plus que la vilaine mèche de suif qui me fume dans le nez. Les filles se moquent de moi, je bois de l'eau, je suis bourrelé de remords et de créanciers. Le reste, dit l'archidiacre. Hélas, très cher frère, je voudrais bien me ranger à une meilleure vie. Je viens à vous, plein de contrition. Je suis pénitent, je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous avez bien raison de vouloir que je devienne un jour licencié sous-moniteur du collège de Torchy. Voici que je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre, il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de plumes,
Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de papier, je n'ai plus de livres. Il faut que j'en rachète. J'ai grand besoin pour cela d'un peu de finance. Et je viens à vous, mon frère, le cœur plein de contrition. Est-ce tout ? Oui, dit l'écolier. Un peu d'argent. Je n'en ai pas. L'écolier dit alors d'un air grave et résolu en même temps. « Eh bien, mon frère, je suis fâché d'avoir à vous dire qu'on me fait d'autre part de très belles offres et propositions. Vous ne voulez pas me donner d'argent ? Non. En ce cas, je vais me faire truand. » En prononçant ce mot monstrueux, il prit une mine d'Ajax, s'attendant à avoir tombé la foudre sur sa tête. L'archidiacre lui dit froidement « Faites-vous truand. » Jean le salua profondément et redescendit l'escalier du cloître en sifflant. Au moment où il passait dans la cour du cloître, sous la fenêtre de la cellule de son frère, il entendit cette fenêtre s'ouvrir, leva le nez et vit passer par l'ouverture la tête sévère de l'archidiacre. « Va-t'en au diable !» disait Don Claude. « Voici le dernier argent que tu auras de moi. » En même temps, le prêtre jeta à Jean une bourse qui fit à l'écolier une grosse bosse au front et dont Jean s'en alla à la fois fâché et content comme un chien qui lapiderait avec des os à moelle. Le lecteur n'a peut-être pas oublié qu'une partie de la cour des miracles était enclose par l'ancien mur d'enceinte de la ville dont bon nombre de tours commençaient à cette époque à tomber en ruine. L'une de ces tours avait été convertie en lieu de plaisir par les truands. Il y avait cabaret dans la salle basse et le reste dans les étages supérieurs. Cette tour était le point le plus vivant et par conséquent le plus hideux de la truanderie. C'était une sorte de ruche monstrueuse qui bourdonnait nuit et jour. La nuit, quand tout le surplus de la gueuserie dormait, quand il n'y avait pas une fenêtre allumée sur les façades terreuses de la place, quand on n'entendait plus sortir un cri de ces innombrables maisonnées, de ces fourmilières de voleurs, de filles et d'enfants volés aux bâtards, on reconnaissait toujours la joyeuse tour au bruit qu'elle faisait, à la lumière écarlate qui, rayonnant à la fois aux soupiraux, aux fenêtres, aux fissures des murs lézardés, s'échappait pour ainsi dire de tous ses pores. La cave était donc le cabaret. On y descendait par une porte basse et par un escalier aussi raide qu'un alexandrin classique. Sur la porte, il y avait en guise d'enseigne un merveilleux barbouillage représentant des sols neufs et des poulets tués avec ce calembour au-dessous, au sonneur pour les trépassés. Un soir, au moment où le couvre-feu sonnait à tous les beffrois de Paris, les sergents du guet, s'il leur eût été donné d'entrer dans la redoutable cour des miracles, auraient pu remarquer qu'il se faisait dans la caverne des truands plus de tumulte encore qu'à l'ordinaire, qu'on y buvait plus et qu'on y jurait mieux. Au dehors, il y avait dans la place force groupe qui s'entretenait à voix basse comme lorsqu'il se trame un grand dessein. Et ça et là un drôle accroupi qui aiguisait une méchante lame de fer sur un pavé. Cependant, dans la taverne même, le vin et le jeu étaient une si puissante diversion aux idées qui occupaient ce soir-là la truanderie qu'il eût été difficile de deviner au propos des buveurs de quoi il s'agissait. Seulement, ils avaient l'air plus gais que de coutume et on leur voyait à tous reluire quelque arme entre les jambes, une serpe, une cognée, un gros estramaçon ou le croc d'une vieille à queue-butte. La salle, de forme ronde, était très vaste, mais les tables étaient si pressées et les buveurs si nombreux que tout ce que contenait la taverne, hommes, femmes, banc, cruche à bière, ceux qui buvaient, ceux qui dormaient, ceux qui jouaient, les bien portants, les éclopés, semblaient entassés pêle-mêle avec autant d'ordre et d'harmonie qu'un tas d'écailles d'huîtres. Il y avait quelques suifs allumés sur les tables, mais le véritable luminaire de la taverne, ce qui remplissait dans le cabaret le rôle du lustre dans une salle d'opéra, c'était le feu. Cette cave était si humide qu'on n'y laissait jamais éteindre la cheminée, même en plein été. Une cheminée immense, un manteau à manteau sculpté, tout hérissé de lourds chenets de fer et d'appareils de cuisine, avec un de ces gros feux mêlés de bois et de tourbe qui, la nuit, dans les rues de village, font saillir si rouge sur les murs d'en face le spectre des fenêtres de forge. Un grand chien, gravement assis dans la cendre, tournait devant la braise une broche chargée de viande.
Quelle que fut la confusion, après le premier coup d'œil, on pouvait distinguer dans cette multitude trois groupes principaux qui se pressaient autour de trois personnages que le lecteur connaît déjà. L'un de ces personnages, bizarrement accoutré de mains aux pieds oripeaux orientales, était Mathias Ungadi Spikali, duc d'Égypte et de Bohême. Le maraud était assis sur une table, les jambes croisées, le doigt en l'air, et faisait d'une voix haute distribution de sa science en magie blanche et noire à maintes faces béantes qui l'entouraient. Une autre cohue s'épaississait autour de notre ancien ami, le vaillant roi de Thunes, armé jusqu'aux dents. Clopin Trouillefou, d'un air très sérieux et à voix basse, réglait le pillage d'une énorme futaille pleine d'armes, largement défoncée devant lui, d'où se dégorgeaient en foule hache, épée, bassinet, cotte de maille, platère, fer de lance et d'archegaille, sagette et vireton, comme pommes et raisins d'une corne d'abondance. Chacun prenait au tas, qui le morion, qui l'esto, qui la miséricorde à poignée en croix. Les enfants eux-mêmes s'armaient, et il y avait jusqu'à des culs de jatte qui, bardés et cuirassés, passaient entre les jambes des buveurs comme de gros scarabées. Enfin, un troisième auditoire, le plus bruyant, le plus jovial et le plus nombreux, encombrait les bancs et les tables au milieu desquels pérorait et jurait d'une voix en flûte qui s'échappait de dessous une pesante armure complète du casque aux éperons. L'individu qui s'était ainsi vissé une panoplie sur le corps disparaissait tellement sous l'habit de guerre qu'on ne voyait plus de sa personne qu'un nez effronté, rouge, retroussé, une boucle de cheveux blonds, une bouche rose et des yeux hardis. Il avait la ceinture pleine de dagues et de poignards. Une grande épée au flanc, une arbalète rouillée à sa gauche et un vaste broutevin devant lui, sans compter à sa droite une épaisse fille débrayée. Toutes les bouches alentour de lui riaient, sacraient et buvaient. Qu'on ajoute 20 groupes secondaires, les filles et les garçons de service courant avec des bros en tête, les joueurs accroupis sur les billes, sur les merelles, sur les dés, sur les vachettes, sur le jeu passionné du tringlet, les querelles dans un coin, les baisers dans l'autre, et on aura quelque idée de cet ensemble sur lequel vacillait la clarté d'un grand feu flamblant qui faisait danser sur les murs du cabaret mille ombres démesurées et grotesques. Quant au bruit, c'était l'intérieur d'une cloche en grande volée. Là, l'esprit, où pétillait une pluie de graisse, emplissait de son glapissement continu les intervalles de ces mille dialogues qui se croisaient d'un bout à l'autre de la salle. Il y avait parmi ce vacarme, au fond de la taverne, sur le banc intérieur de la cheminée, un philosophe qui méditait, les pieds dans la cendre et l'œil sur les tisons. C'était Pierre Gringoire. « Allons vite, dépêchons, armez-vous, on se met en marche dans une heure », disait Clopin Trouillefou à ses argotiers. Une fille fredonnait. « Bonsoir, mon père et ma mère, les derniers couvrent le feu. » Deux joueurs de cartes se disputaient. « Valet !» criait le plus empourpré des deux. En montrant le poing à l'autre, je vais te marquer au trèfle. Tu pourras remplacer Mistigris dans le jeu de cartes de Monseigneur, le roi. Ouf ! Hurlait un Normand reconnaissable à son accent nasillard. On est ici tassé comme les saintes de Caillouville. Fils, disait à son auditoire le duc d'Égypte parlant en fausset. Les sorcières de France vont au sabbat sans balai, ni graisse, ni monture, seulement avec quelques paroles magiques. Les sorcières d'Italie ont toujours un bouc qui les attend à leur porte. Toutes sont tenues de sortir par la cheminée. La voix du jeune drôle armé de pied, en cap, dominait le brouhaha. C'est la nuit. Vibration. C'est Léa sur Vibration. Sur Vibration. Les sorcières d'Italie ont toujours un bouc qui les attend à leur porte. Toutes sont tenues de sortir par la cheminée. La voix du jeune drôle armé de pied en cap dominait le brouhaha. Noël, Noël, criait-il. Les premières armes aujourd'hui. Truand, je suis truand, ventre de Christ. Versez-moi à boire. Mes amis, je m'appelle Jean Frollo du Moulin et je suis gentilhomme. Je suis d'avis que, si Dieu était gendarme, il se ferait pillard. Frère, nous allons faire une belle expédition. Nous sommes des vaillants. Assiéger l'église, enfoncer les portes, en tirer la belle fille, la sauver des juges, la sauver des prêtres, démanteler le cloître, brûler l'évêque dans l'évêché, nous ferons cela en moins de temps qu'il n'en faut un bourgmestre
pour manger une cuillerée de soupe. Votre cause est juste, nous pillerons Notre-Dame. Et tout sera dit. Nous pendrons Quasimodo. Connaissez-vous Quasimodo, mesdemoiselles? L'avez-vous vu s'essouffler sur le bourdon un jour de grande Pentecôte? Corne du Père, c'est très beau. On dirait un diable à cheval sur une gueule. Mes amis, écoutez-moi. Je suis truand au fond du cœur. Je suis argotier dans l'âme. Je suis né cagou. J'ai été très riche et j'ai mangé mon bien. Ma mère voulait me faire officier. Mon père sous-diacre. Ma tante conseiller aux enquêtes. Ma grand-mère proto-notaire du roi. Ma grand-tante trésorier de robe courte. Moi, je me suis fait truand. J'ai dit cela à mon père qui m'a craché sa malédiction au visage. À ma mère qui s'est mise, la vieille dame a pleuré et a bavé comme cette bûche sur ce chenet. Vive la joie, je suis un vrai Bicêtre. Tavernière, mamie, d'autres vins. J'ai encore de quoi payer. Je ne veux plus de vin de Suresnes. Il me chagrine le gosier. J'aimerais autant, corbeuf, me gargariser d'un panier. Cependant, la cohue applaudissait avec les éclats de rire, et voyant que le tumulte redoublait autour de lui, l'écolier s'écria « Oh, le beau bruit ! Populi, débacantis, populosa, débacatio, populeux emportement du peuple qui s'emporte. » Alors, il se mit à chanter, l'œil comme noyé dans l'extase, du ton d'un chanoine qui entonne vêpres. Quel cantique, quels instruments, quel chant, quelle mélodie se chante ici sans fin. Les suaves instruments, des hymnes résonnent, la douce mélodie des anges, les admirables cantiques des cantiques. Buffetière du diable, donne-moi à souper. Il y eut un moment de quasi-silence pendant lequel s'éleva à son tour la voix aigre du duc d'Égypte, enseignant ses bohémiens. La belette s'appelle Adouine, le renard pied bleu ou le coureur des bois.